Et salut à tous, c'est 3, je vous allez bien, ça super, je suis surtout pour une nouvelle vidéo sur UFC 3. Et aujourd'hui les gars, je suis vraiment super content parce que regardez, j'ai eu deux excellentes nouvelles dans en même temps presque. Genre je vois comme ça déjà, ça fait depuis avant-hier, je vais dans la boutique, je vois Namajunas feu de la rampe, donc 4 étoiles, 5 étoiles. Donc je me dis, oh putain, faut qu'elle sorte dans l'SBC. Là ce soir comme ça, juste à l'instant, je lance UFC, je vais dans série, et regardez. Donc là je vois feu de la rampe, je suis super content. Je vois Namajunas. Déjà là je suis hyper content. Parce que là ce que j'avais pas vu, que je viens de voir à l'instant, c'est que je décale feu de la rampe 2. Et là regardez, il y a tous les feux de la rampe depuis le début du jeu je crois. Bah je sais pas si c'est depuis le début du jeu, mais en tout cas il y en a plein. Et du coup vraiment genre là je suis vraiment hyper chaud là. Je pense que j'ai réfléchi 5 minutes, je pense qu'on va se faire Kimbo Slice en vidéo. Et voilà putain, mais on pourra s'en faire plein. Bon après il faudrait que j'ai les jetons pour, mais bon. On va se faire Kimbo Slice, petite vidéo Kimbo Slice. Voilà, j'ai déjà préparé. Donc petite technique, si vous voulez le faire directement maître et pas élite, vous placez un jeton de joker à la place du là. Normalement faut Kimbo Slice élite. Bah si tu mets un jeton de joker ça passe quand même. Donc ça te fait des économies. Voilà, petite technique, c'est gratuit, tu peux toujours l'utiliser. C'est Citron qui régale, j'ai envie de te dire. Et là voilà, on va échanger. Oui. Oh les gars, putain. Oh, programme terminé. Mon dieu, 500 pièces. Kimbo Slice. En plus ça va changer parce que Frost, je l'aime pas trop Frost là. Frost qui est mon actuel poids lourd. Oh là là. On est parti. Kimbo Slice. Ah. Ouf. 80 de frappe, 73 grappling, 77 tendu, 83 santé. Ok, on prend. Ok. Bon, on va faire comme d'habitude, là, comme j'avais fait pour Silva et Paul Felder. Je sais pas, je crois même pas que je vous ai sorti la vidéo de Paul Felder d'ailleurs. Je crois qu'elle s'est perdue dans mes dossiers. Je la sortirai si je la retrouve. Et voilà, mais bon. Là, on parle de Kimbo Slice. Peut-être à l'heure où vous voyez cette vidéo, elle est sortie. Alors, Kimbo Slice, déjà par rapport à Frost. Plus 3 en frappe, plus 3 grappling, plus 4 tendu. Ouais, et plus 4 santé, c'est énorme. Bah, allez, on équipe direct. Oh là, magnifique. Non, là, les gars, imaginez juste, on a Namajunas 5 étoiles ici. J'ai une team de monstres. Que des 5 étoiles, j'aurai bientôt. Oh là là, Kimbo Slice. Bon, c'est pas un combattant que j'aime de ouf, genre physiquement et tout, mais bon. Il est fort, hein. Allez, donc on va l'équiper. Donc, les gars, on va faire un truc. Je vais l'équiper, lui mettre les coups. Je fais une petite ellipse, on se retrouve juste après. Non voilà les gars, c'est bon, j'ai terminé d'équiper mon Kimbo Slice. Donc je vais vous montrer un peu. Bon je l'ai fait vite fait, je pense qu'il y a peut-être des trucs à améliorer, voilà. Donc au niveau des coups, voilà, bras il a 8 emplacements, jambes il en a 5. Si vous voulez voir en détail je vous laisse mettre pause, mais regardez les stats en haut, c'est assez fabuleux. 90 de frappe, 79 grappling, 89 santé, 98 endurance. Voilà, donc là vous avez le sol. Et les entraînements. Voilà, donc sans plus attendre, on va partir sur le premier combat. On va en faire un ou deux, on verra. Ça dépend comment ça se passe. En tout cas, je suis super content d'avoir Kimbo Slice, franchement. Je m'y attendais pas du tout, donc ça renforce encore plus l'effet de joie. Parce que si je m'y attendais, j'aurais pas été aussi content, je pense. Bah, allez, on est parti. N'oubliez pas le gros pouce bleu, en tout cas, si vous aimez les vidéos du UFC. N'oubliez pas de commenter. Si vous avez des questions ou voilà ce que vous voulez. Oh, je joue contre Gustafsson. Gustafsson en plus, je crois que c'est l'autre. L'autre qui est sorti dans feu de la rampe. Bon, j'avais pas vu, mais je suis un combat pour le titre là. Du coup, le mec il va forcément être chaud en face. Ah oui, ok. Attends. Ouf. Alors, tranquille. Désolé, je parle pas beaucoup les gars parce que j'essaie de me concentrer quand même. Allez, tranquille. Mais vraiment, je joue pas forcément beaucoup à UFC, donc forcément j'ai perdu un peu de niveau là avec Warzone et tout. Ah ouais, mais en même temps aussi, je pense qu'on va faire un autre parce que là c'est le combat pour le titre aussi. Les mecs sont plus chauds, donc là j'ai un perso que je sais pas jouer. Bon, tu vas me dire lui non plus, il doit pas trop savoir le jouer, donc c'est pas une excuse. Putain, mais il me fait mal à fond. Ouais. Ah, il est bon. A la limite faut que je le joue sur l'endu, mais bon j'ai déjà pris trop cher dans la tête. Ah oh, mais regardez-moi ça.
Bon les gars, on va tout de suite partir sur un autre combat parce que là, on s'est fait exploser. Tu vois, l'objectif un peu de la vidéo, c'est justement de vous donner un peu envie de vous prendre Kimbo Slice. Et là, gros, je fais tout le contraire. Là, vous êtes en train de vous dire, putain, il pue la merde. Bah, attends, on va aller voir. On va aller voir lui là. Si j'ai bien envie de voir ses stats. Ah non, c'est même pas le spécial. Oh putain, la honte. Pourquoi je vous ai montré les stats? Oh putain, il a que or quoi. Il va démonter. Oh le malaise. Bon, c'est pas grave. GG à lui. Bon, allez, ce serait bien qu'on en gagne un quand même. Au pire, tant qu'on n'a pas gagné un, les gars, j'arrête pas cette vidéo, c'est bon? Faut qu'on en gagne avec Kimbo Slice. Si la vidéo doit durer 8 combats, elle va durer 8 combats. Faut que j'en gagne avec Kimbo. En tout cas, rien qu'on a vu, le seul crochet que j'ai déclenché, quand même, il a fait super mal. En vrai, j'ai vraiment fait de la merde. C'est mon premier combat de la soirée. J'en ai fait un ou deux ce matin. Je suis pas forcément très chaud. Bon, je me trouve un peu des excuses alors que voilà, j'ai juste fait de la merde. C'est ma faute. 6 hours later. Ah, c'est bon. Allez, les gars, contre qui on va jouer? Petit chargement, le suspense qui commence à monter. Qui va-t-on affronter? Bon, là, normalement, c'est plus pour le titre, donc ce sera des mecs déjà un peu moins forts. Allez. Attention. Ouf! On affronte un autre Kimbo Slice. Ouh. Bon, allez, là. Pas d'excuses, là. Je sais pas s'il la maître ou s'il la élite ou même peut-être un peu moins. En tout cas, je l'ai jamais vu. J'ai jamais joué un Kimbo Slice moins qu'élite. Hein. Bon, il doit exister en or ou quoi, mais. J'ai jamais joué. Allez, ah, putain, du coup, on a tous les deux un short blanc. Ça va se différencier à la couleur des gants. Je sais pas qui je suis, un peu qui j'étais. Je crois que je suis les gants rouges, mais je suis pas sûr. Bah, allez, passe la cinématique. Oh, ça me rend fou, les gens qui passent pas les cinématiques du début. 188 cm, 102 kg. Ah, ouais, le mec, c'est un monstre. Pour arrêter ses bras, arrêtez ses bras, putain. Oh, tu croises ça dans la rue, gros, t'as peur. Waouh, ses bras de ouf qu'il a. Allez, on est parti. On est parti, les gars. Je sais pas qui je suis, par contre. Ouais, je suis le rouge. Allez, putain, regardez ce crochet. Tout ce que la vie de sa tête, elle est descendue d'un coup. J'avais tenté des high kicks aussi, là. On va tenter. Attends, merde, ça va pas. Ouf, ouf, ouf. Ce qui s'est pris. Lui, je vais le retenter. Pas de suite, mais je vais le retenter. Ben, je vais. Ouais, non, je sais pas. Parce que je dis ça, je vais plus m'en rappeler. Je vais pas le retenter. Donc, je vais pas promettre des trucs. Allez, bam. J'aimerais tenter un clinch aussi, quand même. Eh bien, allez, fais le clinch. Ah, oh, mais. Allez, reste là, mon cochon. Allez. What, what, what? Ça a pas voulu que je passe en taille? Ouf, ça, ça fait mal, par contre. Ça, c'est pas cool de ta part. Putain, mais ouais, là, j'ai mal géré. Ah non, il me refait la même. Je sais pas comment il fait ça, par contre. Ah mais attends, attends, il faut, je vais pas me faire avoir chaque fois quand même. Allez voilà. Attention, on va retenter. Bon, what, what, wow. Oh il a volé. Oh j'étais pas prêt. Il a volé le mec. Bon. Oh mon dieu. Regardez-moi ça. Bon. Putain, pour faire voler 108 kilos en plus. Waouh. Putain. Oh, j'étais pas prêt. Oh, la violence du truc. Attends, mais dans la vraie vie, c'est pas ça. Le mec, il meurt, je crois. Waouh. Aïe, 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 aïe. Waouh. Putain. Est-ce qu'il y a de se passer, les gars, franchement, là? Rien que ça, ça mérite un pouce bleu, moi je dis. Hein. Après, vous faites ce que vous voulez, mais bon. C'est ce que je dis. C'est levé. C'était qui en face du coup? Ah, c'était le maître aussi. Bon, yes, on a sorti un beau combat. Le mec, il avait des bons coups en plus. On a sorti un beau petit combat. On a un petit pack de base, on sait jamais. C'est peut-être sur un malentendu, on peut avoir un bon truc.
Bah allez, on va l'ouvrir. T'as tout cas qui me bossait, franchement, violent, violent. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ciao, ciao.